Le royaume de Dieu est comparable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a découvert le cache à nouveau, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète un champ. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Aujourd'hui, le message vous est adressé par Bernard Dill. Bonjour les amis, aujourd'hui nous fêtons un grand saint, Saint Ignace de Loyola. Alors, pour être clair et pour être transparent avec vous, Saint Ignace est un saint pas comme les autres. Il a vécu déjà de 1492 à 1556. À l'époque de Saint Ignace, il y avait déjà beaucoup de problèmes dans le monde, dans la société dans laquelle il vivait. Il y avait des conflits en Europe, au sein de l'Église, et pendant le temps de sa vie, il y a eu même jusqu'à trois papes simultanément, chacun d'eux prétendant être le pape authentique. Et il y a eu même l'aboutissement de la réforme protestante à ce moment-là, puisque Martin Luther, le réformateur, est mort en 1546. À 10 ans près, ils sont morts tous les deux dans la même période. Mais ce qui me marque dans les textes de ce jour, parce que je vais prendre les deux évangiles, l'évangile du jour qui est pour le 31 juillet et celui qui est destiné à la fête de Saint Ignace. Quand on regarde Saint Ignace, quand on regarde la réforme que Luther a essayé de mettre en place, la réforme que Ignace lui aussi a essayé de mettre en place, tous deux ont bien compris qu'il y avait un enjeu de trésor et de savoir se dépouiller pour suivre le Christ. Le Christ dans l'évangile dédié à Saint Ignace dit « Celui qui ne porte pas sa croix et qui ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. » Et donc Jésus, qui est humble, pauvre, obéissant, miséricordieux, qui va jusqu'au cours de sa passion, dans le silence et la discrétion, va transmettre sa plus grande des protestations qui existera et qui servira à Luther de cheval de bataille, tout comme Ignace aura des idées de dans le même temps de courtisan, de grandeur, rêvant de chevalerie, mais blessé pendant la guerre, va être providentiellement attiré à lire la parole de Dieu et à la vie des saints, ce qui va lui permettre de découvrir que le Seigneur l'appelle à la suite de François et de Saint Dominique. « Et si je faisais comme eux » dira-t-il. Alors Ignace, à une époque où il a un projet, tout comme aujourd'hui le pape veut se faire le pauvre des pauvres parmi les pauvres, lui a un projet qui s'appuie sur la phrase « Quiconque d'entre vous ne renonce pas à tous ses biens » ne peut pas être mon disciple. Et face au pouvoir, je dirais un petit peu factice de la société dans laquelle il est à ce moment-là, eh bien, Dieu va l'inviter à renoncer à tous ses biens, à se dépouiller de tous ses biens, de tous ses rêves, et à se consacrer totalement à la prière et au service pour les autres. C'est à ce moment-là que quelques hommes vont commencer à le rejoindre et à le suivre dans ce parcours qu'il a fondé et qui deviendra plus tard les compagnons de Jésus, une fondation dont l'Église se sert beaucoup pour discerner les vocations, pour discerner ce qui se passe au sein d'une vie, avec, je dirais, avec les parcours de Saint Ignace, qui peuvent permettre à beaucoup de personnes de se poser les bonnes questions. Alors aujourd'hui, c'est vrai que quand nous regardons les textes de ce jour, nous pouvons nous dire, mais Seigneur, d'un côté, pour le jour, tu nous dis de vendre tout ce que nous possédons pour acheter un champ, parce que dedans, il y a un trésor qui est caché. Et puis de l'autre, tu dis que si on trouve une perle de grande valeur, on va vendre tout ce que nous possédons pour acheter la perle. Et de notre côté, tu nous demandes de nous dépouiller de tout ce que nous possédons pour se mettre à ta suite. Y a-t-il, je dirais, opposition dans les deux textes? Non, il y a simplement deux approches différentes qui me semblent très, très importantes à retenir. Dans le texte de ce jour, il nous est invité à rechercher le royaume de Dieu qui est un trésor, qui est le trésor des trésors. Et une fois qu'on l'a trouvé, on est prêt à tout, à se sacrifier à tout et à perdre tout ce que nous possédons pour acquérir ce royaume et pour rentrer dans ce royaume. Eh bien, c'est la même chose que pour Ignace qui a tout vendu
pour suivre le Christ, qui a vendu tous ses biens, qui a vendu tous ses rêves de chevalerie pour acquérir la marche à la suite du Christ. Alors oui, c'est vrai que nous pouvons, dans ce temps qui est le nôtre aujourd'hui, nous poser la question, qu'est-ce que Seigneur tu attends de nous? Qu'est-ce que tu attends? Parce que c'est vrai que nous pouvons nous poser la même question aujourd'hui que Saint Ignace ou que Martin Luther qui ont rêvé d'authenticité. Eh bien, un seul, je dirais, de toute l'histoire de l'humanité a compris qui était vraiment Jésus. C'est le bon larron qui dira « Jésus, souviens-toi de moi quand tu entreras ou quand tu viendras inaugurer ton royaume ». Tous les deux, Jésus et lui, étaient considérés comme des criminels qui allaient mourir. Et pour une raison qu'on ignore encore aujourd'hui, le bon larron reconnaît Jésus comme le roi d'un royaume qui viendra après cette terrible mort sur la croix. Ça ne pouvait être qu'un royaume spirituel dont le bon larron avait compris. Eh bien, Jésus, dès sa première prédication, parle de royaume des cieux, qui est un trésor caché sous terre. Eh bien oui, si nous comprenons que le royaume de Dieu est un trésor, tout comme le larron, nous n'aurons pas peur de perdre tout ce que nous possédons pour s'emparer de ce royaume. Suivre le Christ, c'est se procurer celui qui a tout donné et qui a accepté de tout perdre. Oui, suivre le Christ, c'est se procurer celui qui a tout donné et accepter de tout perdre par amour pour nous. Le royaume de Dieu est un royaume de paix, d'amour, de justice, de liberté, de sérénité, j'ai envie de dire. L'atteindre est à la fois un don de Dieu et une responsabilité humaine. Qu'est-ce que nous allons faire de ce que nous avons découvert en Christ? Devant la grandeur du don que nous avons reçu de Dieu, nous pouvons constater l'imperfection et l'instabilité de tous nos efforts au quotidien, qui sont souvent détruits par le péché, par la guerre, la malice, l'orgueil, la méchanceté, l'injustice. Et parfois, ça nous semble insurmontable. Cependant, quel que soit le problème que nous rencontrons, quelle que soit la difficulté que nous pouvons vivre, nous pouvons découvrir que si nous restons confiants, ce qui nous semble impossible à nous devient possible pour Dieu. Alors mes amis, cela vaut la peine de tout abandonner pour le royaume des cieux. C'est un trésor caché, or dans un champ, dans un cœur, dans une vie. Et celui qui a découvert va peut-être le cacher dans son cœur pendant un temps. Il va vendre tout ce qu'il possède afin de pouvoir l'acquérir et faire de ce champ son propre trésor. Nous avons chacun de nous un trésor reçu des apôtres que nous avons à garder fidèlement. Tous les fidèles, quel que soit le rang et la place qu'il tient dans l'Église, sont appelés à transmettre de génération en génération ce trésor que nous avons reçu, c'est-à-dire la foi reçue de nos pères. C'est ce que Ignace va transmettre, c'est ce que Luther va transmettre. Et en vivant cette foi dans le partage fraternel, dans une célébration liturgique, dans la prière, dans le jeûne, dans l'intercession, dans la louange, en transmettant cette foi à nos enfants et à nos petits-enfants, nous accomplissons ce que le Christ a toujours voulu, être des réformateurs au sein de l'Église, être capables de transmettre ce que nous avons reçu pour que le monde dans lequel nous vivons devienne meilleur que ce qu'il est aujourd'hui. C'est la mission de l'Église, c'est la mission du fidèle, c'est la mission de tous les disciples du Christ. Transformer en gloire nos imperfections, nos péchés, nos chaînes et transformer le monde dans lequel nous sommes, c'est aussi transformer ce monde qui n'a aucune espérance en une espérance qui vient d'ailleurs, celle du Christ. Même si pour cela, nous sommes en train de mourir les uns après les autres de ce qui nous semble profondément injuste, de cette société dans laquelle elle nous entraîne vers le bas et nous tire vers le bas. Nous avons eu les élections législatives qui terminent sur quelque chose de, allez, on va le dire, d'impossible humainement à gérer. Aujourd'hui, le pays n'est plus gérable en l'état parce que, voilà, les hommes en ont fait ce qu'ils voulaient et le résultat, il est là. Quand on bâtit sans Dieu, il ne faut pas s'étonner que cela devienne, disons-le, un véritable bordel dans notre vie. Eh bien, Ignace, Martin Luther avaient compris qu'ils devaient rompre avec tout ce qu'ils connaissaient, tout ce qu'ils avaient envie pour s'attacher au Christ. Et tant que notre pays ne reviendra pas au Christ, cela ne pourra aller mieux. Tant que nos hommes politiques ne fléchiront pas les genoux en présence du Père de qui toute paternité tire son nom, nous ne pourrons voir dans notre pays un mieux. Non, nous allons continuer à descendre et nous allons pouvoir nous réjouir tous ensemble de ce que Dieu est en train de nous faire goûter à l'amertume du manque, à l'amertume du besoin d'avoir Christ dans notre vie. Et nous pourrons peut-être dire au moment le plus dramatique de notre vie, tout comme le bon larron, « Souviens-toi de moi quand tu inaugureras ton royaume, Seigneur Jésus. » Et quand bien même ce moment-là sera périlleux pour nous au point de perdre la vie, alors comme Ignace, comme Martin,
nous renoncerons à tout pour acquérir le royaume, pour chercher le Christ et suivre le Christ, même dans la mort. Et Dieu pourra nous dire à chacun de nous, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis, et merci d'exister pour le temps qui te reste. Vis ta vie pleinement, comme si c'était la dernière seconde de ta vie. Vis-la pleinement, et comme si c'était la première d'une longue série. Oui, chaque seconde peut être la première d'une longue série de secondes qui vont s'écouler. Alors là, tu pourras vraiment comprendre ce que veut dire merci d'exister. Parce que tu vas vivre chaque seconde intensément, tout comme Martin, tout comme Ignace, tout comme tous les grands saints qui ont fait les réformes dans notre pays et dans notre monde, et qui aujourd'hui nous transmettent la foi des apôtres. À notre tour maintenant de la transmettre, pour que ces mots prennent un sens plus que jamais. Merci d'exister.